appeler les choses par leur nom. C'est un esclavage. Invité sur le plateau de l'émission C'est Politique sur France 5, dimanche 25 novembre, le philosophe et essayiste Abdennour Bidar a livré son analyse pour expliquer la colère des Gilets jaunes. L'auteur de Libérons-nous, des chaînes du travail et de la consommation, édition Les liens qui libèrent, pointe un double phénomène, l'esclavage du travail et de la consommation. Selon lui, dans notre système capitaliste, nous sommes la petite souris dans sa roue. Nous tournons. Travailler plus pour gagner, plus pour dépenser, plus pour consommer, plus et ça continue. Un système qui marche, si à la fin du mois les finances sont dans le vert. Sauf que lorsque ce n'est pas le cas, c'est une catastrophe. On se rend compte que l'on n'a plus rien sur notre compte, parce que l'on a tout dépensé, même quand on gagne suffisamment bien sa vie. D'où le sentiment de déclassement des classes moyennes. Point. Et si les gilets jaunes sont en colère, c'est justement parce que le peuple français a oublié d'être bête, explique Abdennour Bidar. Il est lucide et conscient de quelque chose qui est en train de devenir un vrai scandale.